1799, Bonaparte est en Égypte. À Paris, on enterre le chevalier de Saint-Georges. Après l'enfant Léopard et la 13e mort du chevalier, Daniel Piccoli nous entraîne dans une nouvelle aventure où l'histoire, avec un H majuscule, devient le plus beau des terrains de jeu. De Paris au Caire, en passant par les îles de la Méditerranée, laissez-vous surprendre par l'imagination débordante de Daniel Piccoli. La nuit de Lampedusa, par Daniel Piccoli, publié chez Albin Michel. Daniel Piccoli est sur Web TV Culture.